Nous sommes le 11 décembre. Jingle bell! Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans-genres, mauvais genre, badounettes, c'est Mickey! Ouloula! Oula! Pas News, c'est l'émission de notre actualité. On n'est pas forcément là pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources, même si je sais que Disney est fermé. Ouais. Et on commence tout de suite avec le cadeau des gens. Le petit cadeau des abonnés. Et le cadeau des gens d'aujourd'hui, c'est Freaky Woody. Ah. Qui m'a remis un cadeau que je n'ai pas ouvert. Oui. Pour Bad News. D'accord. Il m'a dit attention, c'est fragile. Oui. On ouvre. Bah ouais, ouais. C'était aujourd'hui qu'il fallait l'ouvrir. Oui, c'est ah, aujourd'hui. J'ai décidé aujourd'hui. Thomas. Davy. Merci beaucoup. Ouais, on découvre vraiment, puisque ah ouais, ouais. Je savais pas qu'il y en avait deux. Bah ouais, c'est ça. C'est vraiment un paquet cadeau pris à la photocopieuse à l'école. Alors attends, moi dès que t'es... Ça y est, moi je suis prêt. C'est bon? Ouais. 3, 2, 1... Putain, toi, on dirait qu'il pisse contre le mur. Mais ça va aller chez Wham direct pour Thomas, pistolet à bisous. Freaky hoodie. Faut que je le mette dans le décor. Ouais. Mais là, c'est bien, c'est parfait. Là, c'est vraiment parfait. Ouais, ouais. Putain, fais-le pas tomber parce qu'il est bien au bord. Hein. Ouais, j'essaie de pas cacher la marque à Horus qui nous ont offert l'écran pour Bad News. Merci, Freaky Hoodie. Et on passe tout de suite au grand livre des faits divers à la con. Un livre disponible dans vos librairies. Le grand livre des faits divers à la con. Cette histoire qui va faire mal à tous les hommes a eu lieu en 2013 dans l'état de Pennsylvanie aux États-Unis. Stephen Hans souffre depuis plusieurs jours d'une douleur au niveau du testicule droit. Ce brave homme va consulter son urologue qui lui diagnostique une atrophie due à une blessure passée. Le médecin programme aussitôt une orchidectomie, c'est-à-dire l'ablation totale du testicule douloureux. Et non pas des orchidées. Non, rien à voir. L'opération a lieu au Memorial Hospital à Huntington. Un hôpital où on vous conseille pas d'aller, hein, car en se réveillant, Stephen Hans découvre l'inimaginable. Le chirurgien lui a retiré le testicule gauche, son testicule sain. Ah oui. Seul point positif, les juges ont accordé 780 000 euros de dommages et intérêts à l'homme qui vit toujours avec son testicule atrophié. Il préfère souffrir que de repasser au bloc opératoire. Oui, mais enfin bon, quoique là, il pourrait pas se tromper, hein, puisqu'il y en a plus un qui marche. Bah ouais. On passe tout de suite à la bad news perso de Bobby Michiel. Michiel? Je commence le mail, hein. Ouais. Moi, c'est Bobby Michiel. Michiel et pas Michel. Mais tu peux m'appeler Balthazar. Si je t'écris aujourd'hui, c'est pour te conter ma bad news assez cocasse. En effet, il y a 2 ans, j'étais parti chez un ami qui avait besoin de soutien. On passe la soirée ensemble, tout se passe bien. Et au matin, mon bon ami me propose de pratiquer un coït. N'ayant pas pratiqué cela depuis un moment, j'accepte. Lourde erreur. J'ai rarement vu quelqu'un simuler autant. La fenêtre était grande ouverte. Tout le village l'avait probablement entendu. La porte de sa chambre était ouverte aussi, avec son père, qui pouvait rentrer à la maison à tout moment. Quand il prenait du plaisir, on aurait dit qu'il se prenait le pied dans la porte. Au bout de 20 minutes, il me dit que c'est bon. Un gros silence s'installe. Je le regarde et lui fais comprendre que moi aussi, j'aimerais bien qu'il me finisse. Il me touche à peine pendant 5 minutes et déclare que c'est bon, avec un grand sourire qui me met encore aujourd'hui très mal à l'aise. C'était le pire coup de ma vie. J'ai même pas joui. Peut-être que lui non plus et qu'il avait simulé, je ne sais pas. Mais le pire dans tout ça, c'est que quelques heures après, je l'ai accompagné à l'enterrement de sa mère. C'est pour ça qu'il allait pas bien. Mais oui! Bad news ovation! C'est là, c'est. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, fêtez Noël! C'est ouais, feu d'artifice, tout. Ouais, on est bien. Waouh! Voilà! Rendez-vous demain pour une autre bad news à 17h45! Carrément! Carrément! C'est sûr, ça va mal finir. J'ai pas vraiment l'esprit de Noël, c'est sûr. Je peux faire pire, je vais tuer des gens, c'est réel. Je vais passer dans les journaux pour finir dans bad news. Je vais passer en prison pour finir dans bad news. Vive le gland d'hiver!